Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce magnifique stadium Europa. Pierre Ménès est à mes côtés. Et dans ce match, nous retrouvons Toulouse face au Stade de Reims. Alors que vous découvrez la composition de cette équipe de Toulouse. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Attention, si ça rentre! Le gardien qui éloigne le danger. Ouais, dégager ce ballon, c'était une belle occasion. Le danger est éloigné. La passe est interceptée. Le classement qui commence à prendre forme et on a l'impression que la lutte pour le titre va être serrée jusqu'au bout. Les équipes se tiennent en quelques points, on assiste à des matchs très agréables, personne n'a envie de lâcher. En tout cas, nous, pour l'instant, on se régale. Hein. Allez, dans le couloir. Bon jaillissement sur cette passe. Bravo. Ouais, ça construit devant le but, sans se précipiter. Max-Alain Gradel. Maïté. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Très mal donné, hein, ce ballon. Maïté. Grosse séquence de possession de balle, hein, sur cette phase de jeu. Torres. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Ah, c'est pour personne. Ah, il est passé, il file vers le but. Ah non, le ballon est perdu. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Mais il était. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Un tir quasiment à bout portant. Impossible pour le gardien. Ah ben, enfin, c'est pas normal que le buteur se retrouve quand même dans cette position. Et c'est le TFC qui mène. Torres. La remise directe, c'est bien vu. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Oh, il n'y a personne pour le gêner dans le couloir. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Ouais, qui va pouvoir relancer son équipe. Maïté. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Sokyun-Jun, Romao. Ah oui, la bonne passe. Yaranchuk. On écarte le jeu. Ouais, bien joué l'interception. La passe était bonne, important. Ah, et ça sort en touche. Oui, il va centrer. Le ballon qui revient dans l'axe. Ouah, il passe pas, il s'est fait reprendre. Romao. Deux. Oh, la faute, oui, pas correcte ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner.
Yarmouchouk. Ah, la bonne qualité de ses passes. Meïté. On retiendra donc de cette première. Alors, il y en a une qui est toujours là. C'est la pluie. Ouais, on vient de voir l'arbitre examiner la pelouse à la pause. Bon, il a estimé que c'était toujours praticable pour l'instant. Et les Toulousains qui retrouvent le ballon. Yarmouchouk. Torres. Max Alain Gradel. Ouais, bon tacle, mais personne. Ouais, la frappe. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Il pique son ballon. Ah, je me demande pourquoi il a tenté quand même. Hein, l'angle était très fermé. Ça manque de lucidité quand même, il y avait mieux à faire. Max Alain Gradel. Nous aurons rendez-vous aujourd'hui avec la Ligue 1 Conforama pour cette rencontre. Toulouse affrontera les Girondins de Bordeaux à l'extérieur. Et un match que nous essayerons de vous faire vivre dans les meilleures conditions, bien sûr. Un petit pronostic pour le prochain match du Stade de Reims, Pierre. L'adversaire sera le Stade Rennais pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1 Conforama. Ça devrait être un chouette bras de fer entre deux formations de niveau vraiment égal. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Chelsea, qui a fait pas mal parler sur le plan des transferts avec un recrutement qui a été confirmé depuis. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Mais alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Et le gardien qui s'empare du ballon. Il va essayer de vite relancer son équipe. Meïté. Ici Agassila. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Torres. La frappe. Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Oh, le but contre son camp. Ah, c'est terrible. On voit bien sur ces images que c'est bien lui hein, qui marque contre son camp. Quelle terrible mésentente. Le but sous un autre angle. Allez, il ne faut pas se focaliser sur cette bourde. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Allez, dans le couloir. Choisis la frappe. Ah non, là, pas du tout. Fontaine. Ouais, peut-être une situation intéressante, là. Sur le film et il est hors jeu sur cette situation. ...2-0, les minutes qui défilent. Tiens, on va peut-être évoquer la prochaine rencontre hein, de cette équipe, Pierre. Le TFC doit affronter les Girondins de Bordeaux par la suite. Un match solide de la part de cette équipe aujourd'hui. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il la mettait. Torres.
Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On s'approche de la zone de vérité. Jimmy Lermaz. Bonne anticipation sur cette passe. Le ballon est intercepté, mais ce n'est pas terminé. La rencontre qui s'achève sur ce score et cette victoire des Toulousains. Never saw.